Bienvenue dans ce nouveau Fastburn News. Alors, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grandes infos importantes. Pour l'instant, on a juste eu quelques skins sur FNAF AR et quelques annonces de livres. On n'a pas eu vraiment de grosses annonces. Du coup, parce que comme je vous l'ai dit, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de grosses annonces, je ne fais pas de nouveaux Fastburn News. Comme ça, je parle de la nouvelle annonce qui est dans l'actualité et je résume un peu les annonces qu'on a eues avant. Donc, commençons par des livres. Donc, déjà, Blackbird est sorti le 29 décembre 2020, donc il est déjà sorti, vous pouvez déjà le commander. Le prochain livre, Fazbear Fright, donc Cliffs, va sortir le 2 mars 2021. Ensuite, Gumdrop Angel va sortir le 4 mai 2021 et The Puppet Carver va sortir le 6 juillet 2021. Donc, ensuite, 4 nouveaux skins ont été rajoutés dans FNAF AR. Swamp Balloon Boy, donc au final c'était pas une version genre forestière de Toy Chica, j'avais tort. Ensuite, il y a eu encore Black Ice Freddy, il me semble que c'est son nom, qui est en gros un espèce de remake de Freddy Frozenmere, qui est assez stylé. Ensuite, il y a eu Arctical Ballora, donc c'est un nouveau skin pour Ballora. Et enfin, on a eu Frost Plushtrap, donc qui est le premier skin que Plushtrap a obtenu. Donc c'est pas seulement le skin, donc l'apparence de Plushtrap qui a changé, mais aussi tout son environnement qui est devenu plus dans le style de l'hiver. Et comme vous l'avez très sûrement vu dans le titre, on a un nouveau trailer pour Security Breach. Gregory. It's getting late. Let's get you home. Sur ce, j'espère que ce Fazbear News vous aura plu et on se voit dans un prochain Fazbear News.